je vais essayer de poser des questions, mais il faut savoir que je ne suis pas spécialiste de la photographie. Mais j'avais eu de la chance de voir le catalogue, d'étudier un peu le catalogue qui est très très riche, de point de vue des approches très différentes des chercheurs et aussi de point de vue des reproductions de tout cela. Et ainsi, en me préparant à ce colloque, j'ai essayé de voir des films, des interviews sur YouTube, bien sûr, parce que malheureusement, je n'ai pas vu l'exposition à l'époque. Et ainsi, j'ai essayé de poser des questions, je vais essayer de poser des questions. Et au début, je réfléchissais de cette partie dont vous avez parlé, que M. Guy Kojeva, le directeur ancien de Musée d'Ouzet, il était très courageux de toucher les actualités, les questions de la société, avec ses séries de l'exposition qu'il a réalisée. Et j'ai commencé à réfléchir de la politique d'identité de musée, ce qui est très important, je pense. Et en regardant le YouTube, je suis tombée sur la publicité de cette exposition qui est très très forte, très dure, hein, parce que la situation dans cette publicité, je ne sais pas si c'est possible à voir. Ben, on voit dans un fumoir les hommes de fin de siècle, entre eux bien sûr, parce que c'est vraiment la chambre secrète des hommes. Et en se parlant, il y a un homme qui commence à raconter que sa femme veut devenir photographe. Et tout le monde, tous les autres hommes éclatent à rire. Mais c'est vraiment, c'est presque insupportable. Et à la fin, on voit un tout petit texte. Heureusement, les femmes n'ont pas écouté les hommes. Donc je pense que c'est vraiment très provocatif. Et je voulais demander, après voir cette publicité, que c'était vraiment déjà au début de la recherche un but de changer l'attitude des visiteurs ou de la société par rapport à l'activité artistique des femmes. Mais en gros, parce qu'elle a trouvé... Elle s'était mise en tête de conduire elle-même l'attelage. Vous auriez vu la tête de Georges. Oh, mais figurez-vous que ma femme veut faire de la photographie. De la photographie. Que vous évoquiez ce petit film, justement, parce que je voulais vous le montrer, puis j'ai pensé que c'était un petit peu compliqué avec la traduction. En fait, on a eu un peu des désaccords au sein, justement, de l'équipe sur le contenu de ce film et sa pertinence. Parce qu'il sous-entendait que les femmes photographes au XIXe siècle étaient des exceptions. Et au fur et à mesure de notre recherche, on s'est quand même aperçu qu'elles étaient nombreuses, que certaines ont subi effectivement des contraintes de la part de leurs époux, mais que d'autres étaient libres dans leur activité. Donc c'est un film qui est un peu tendancieux, qui ne reflète pas totalement la réalité de la pratique féminine au XIXe siècle, mais en même temps, d'un point de vue justement presque politique, en tant que commissaire, moi je trouvais très important de marquer le coup, justement, et avec ce petit film qui est là pour faire du buzz et pour susciter la curiosité. Après, on ne s'intéresse pas au sujet, on peut le critiquer, mais en tout cas, je trouvais qu'il était extrêmement percutant et qu'il fallait justement le diffuser. Oui, et en ce qui concerne la réception de l'exposition dans la presse, avez-vous réussi d'exécuter cette mission, je veux dire, cette mission de changer l'attitude vers les photographes, les femmes photographes, ou vers la créativité artistique des femmes? Oui, je crois qu'en fait, effectivement, je vous parlais de la réticence d'un certain nombre de visiteurs, dans l'ensemble plutôt masculin, par rapport à cette problématique, mais je crois que dans la presse, qu'elle soit généraliste ou un peu plus spécialisée, il y a eu une forme d'accord et de consensus autour de cette évidence, en fait, qu'il faut prendre en considération aussi le genre et justement la place des femmes dans cette
processus artistique, aussi bien du côté des photographes, mais du côté de l'art en général. Ah oui, c'est comme ça que vous avez mentionné aussi elle, Centre Pompidou, l'exposition qui avait un peu le même sujet de sa collection, de montrer l'activité artistique des femmes. C'est une exposition peut-être qui a suscité, donc qui était pionnière, donc qui a suscité probablement aussi plus de critiques, hein, celle qui a été présentée au Centre Pompidou, et qui a été parfois aussi contestée par certaines femmes artistes. Puisqu'en fait, le Centre Pompidou montrait une exposition sur toute la création au XXe siècle, au début du XXIe siècle. Donc il y avait des artistes qui sont encore vivantes, qui étaient présentées dans cette exposition. Et qui, certaines, ont mal vécu le fait d'être justement ghettoisées et d'être montrées en tant que femmes, et non pas seulement artistes. Et c'est vrai que nous, pour notre exposition, donc, qui s'arrêtait avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas eu cette... Voilà, vous avez aussi parlé de point de vue esthétique, donc ça veut dire que vous avez dit que vous ne vouliez pas organiser une exposition des chefs-d'œuvre. Mais en fait, c'est le musée d'Orsay, c'est le musée le plus connu, un des plus connus à Paris, donc un musée d'art. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de sélection esthétique ou... Si, parce que voilà, l'idée c'était d'équilibrer en fait, de trouver à la fois un certain nombre d'images iconiques que le public pouvait reconnaître, hein, d'auteurs célèbres, et puis c'était aussi proposer des noms beaucoup moins connus, des Allemandes, des Hongroises, et montrer aussi que la photographie ce n'est pas que de l'art de toute façon, et encore plus, je ne sais pas si c'est encore plus au XXe siècle. Mais la pratique du photoreportage, par exemple, on est dans autre chose. Donc, de toute façon, on n'était plus dans le chef-d'œuvre artistique, en tout cas. Je voulais aussi demander, poser une question, parce qu'en Hongrie, il y avait une exposition, c'était en 2000, à Musée Erst. C'était une petite exposition autour des femmes artistes. Et à cette époque-là, ça a provoqué un débat public autour de cette question qui est comment on peut diviser en deux groupes ces artistes. Les artistes qui sont femmes, mais qui créent les œuvres, mais qui ne se reflètent pas dans... Il n'y a pas d'autoréflexion dans leurs œuvres, à leurs identités. Et l'autre qui sont très conscients, qui travaillent très consciemment sur ce sujet-là. Je voulais demander si vous l'avez fait cette sorte de séparation, parce que je pense que ça, bien sûr, ça change beaucoup pendant le temps. Et cette exposition, c'était de la période d'après-guerre, et avant la guerre, et le 19e, c'est bien différent. Mais est-ce que vous avez eu une manière d'expliquer ces problématiques dans l'exposition sur les cartels, sur les textes, dans les textes ou, je sais pas. Alors, c'est un effort que l'on a fait, je ne suis pas sûre que l'on... tenu jusqu'au bout, mais c'était, nous souhaitions vraiment aussi montrer que les stratégies de ces femmes étaient très diverses, et dans le temps, et dans l'espace, en fait, et que certaines d'entre elles pouvaient justement mettre en avant leur appartenance au genre féminin pour justifier leur activité, quand d'autres, au contraire, tendaient à l'effacer, cette appartenance au genre féminin. Par exemple, Germaine Krull, justement, d'une certaine manière, elle se virilisait, alors que Madame Yevonde, cette photographe anglaise qui fait des portraits en couleur avec le procédé Vivex, elle, au contraire, mettait en valeur sa féminité et considérait que c'était les femmes qui étaient les plus aptes à photographier en couleur parce qu'elles vivaient déjà le monde en couleur plus que les hommes, par le choix vêtements le matin, par la teinture des cheveux, par le maquillage, etc. Et à l'époque, c'était un discours qui était mal reçu par ses pairs masculins, mais qui en fait était une forme de féminisme qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre, mais qui était un féminisme avéré. Alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà, on avait une grande diversité en fait d'attitudes par rapport à la féminité entre guillemets. C'est ce que j'ai vu dans le catalogue, que vous étiez très très prudente de montrer les contextes
très minutieusement, parce que toutes les histoires sont différentes. Mais je pensais à ce moment-là, quand je réfléchissais à cette question, je pensais à par exemple, à cet autoportrait de Florence Henry de 28, hein, qui se montre en face d'un miroir avec deux balles, qui est un symbole phallique. Donc c'est vraiment, elle se montre dans un cadre des hommes. Donc c'est vraiment ça, c'est une autoréflexion de sa position, sa jambe, etc. Donc il y avait des œuvres comme ça dedans où c'est très très clair que c'est vraiment une réflexion de l'identité. Oui, alors après c'était aussi le fruit d'une sélection. La sélection est forcément subjective. Donc c'est vrai que pour toute cette série d'autoportraits, j'ai eu tendance aussi à chercher ce que j'avais envie de trouver, je dois l'avouer. Et donc j'étais particulièrement frappée par toute cette démarche de femmes photographes qui exploraient la question de l'identité sexuelle, l'identité sociale, et qui bien souvent la mettaient en cause. Vous parlez de Florence Henry, mais c'est aussi le cas de Claude Carin, dont vous avez parlé, je crois, hier, ou de Germaine Crowe, de Marianne Breslauer, enfin, un très grand nombre d'entre elles, à cette époque, ont justement tenté de casser un peu les stéréotypes associés à leur sexe. J'ai fait un petit fouille sur l'internet de ce sujet, et j'ai retrouvé, il y avait une exposition cette année, à Namur, en Belgique, titre femme artiste, donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très branché. Maintenant, j'ai trouvé une citation de l'art moderne de 1884, qui écrit, je cite, « Les femmes ne peuvent peindre que des choses qui n'exigent ni pensée profonde, ni grand sentiment, ni large virtuosité. » Des fleurs, des natures mortes, des objets élégants, des seins de gens paisibles, des paysages doux, des portraits dans le fond, des animaux gentils. Donc c'est vraiment une citation qui montre la problématique, la relation entre l'hiérarchie des genres et l'hiérarchie de la société. Ce qui était clairement visible au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et vous avez mentionné que la photographie est un art mineur au sein des beaux-arts. Donc je voulais vous demander si, qu'est-ce que vous en pensez après l'expérience de cette exposition. Alors, en fait, c'est pas... C'est deux questions. Un art mineur, c'est-à-dire que c'est pas... c'est un constat que je fais de la manière dont la photographie est pensée au sein de mon établissement. C'est vrai que nous, Thomas et moi, on est dans un département qui est un petit peu périphérique, avec celui de l'architecture, aux côtés de nos collègues conservateurs de peinture ou de la sculpture, qui ont un peu qui sont plus nombreux, qui ont plus de visibilité. Donc quand je dis que c'est un art mineur, c'est que c'est aussi institutionnellement, c'est un art mineur. C'est pas mon point de vue personnel. Du coup, j'ai perdu la suite de votre question. Non, c'est juste une réflexion sur cette problématique. Il y a une hiérarchie des gens et une hiérarchie de la société. Et tous les deux sont présents encore. Oui, oui, absolument. Et que l'exposition a changé quelque chose de ce point de vue, de cette approche de hiérarchie des genres. Non, pas des arts, hiérarchie des arts, des beaux-arts. Je l'espère. Je l'espère. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi une drôle d'idée que d'avoir fait cette exposition au sein du musée d'Orsay et de l'Orangerie. Il y a beaucoup de lieux dédiés à la photographie à Paris et où on est plus habitué finalement à y trouver de la photographie que dans notre établissement. Donc c'est vrai que c'était un peu, c'était novateur et j'espère, comme vous dites, que ça va peut-être entraîner un certain changement. Quand même, il y a les mois de photographie à Paris, il y a le musée de la photographie, donc du point de vue institutionnel, c'est beaucoup plus fort que par exemple chez nous. Ça m'étonnait quand j'ai vu que vous aviez mentionné que ça... Oui, c'est vrai que je pense que je suis allée un petit peu loin, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe autour de moi, mais c'est vrai qu'en même temps, on a eu énormément de chance de pouvoir explorer cette question et présenter cette exposition, et on a quand même eu malgré tout un budget conséquent pour pouvoir faire des emprunts à l'autre bout du monde. Donc c'est vrai que
j'ai peut-être un petit peu allé loin dans la critique, mais par rapport à d'autres partenaires étrangers. Mais je crois qu'au sein de l'institution, il y a quand même une réalité, il y a un petit déséquilibre que j'ai constaté. Merci. Je voulais aussi demander si, d'un point de vue muséologique, comment vous avez essayé de montrer dans l'exposition le rôle des femmes dans la société, parce que c'est vraiment le contexte historique, ce qui est très difficile à montrer dans une exposition d'art. C'est toujours un problème, même si on parle de la photographie, même si on parle des beaux-arts. Donc, vous avez mis des textes, ou est-ce qu'il y avait des autres objets ou... Alors non, il n'y avait pas d'objets, si ce n'est des publications, des magazines, hein, puisqu'elles ont évidemment été des fournisseuses d'images très importantes dans l'entre-deux-guerres. Donc c'était le seul support autre que des tirages, en fait. C'était des magazines et puis des films. Parce qu'en fait, ce qu'on a pu découvrir aussi, c'est qu'un certain nombre d'entre elles avaient tourné des images animées. Alors justement, comment on a essayé de réintroduire l'histoire, je pense que c'est à travers le texte qui accompagnait ces photographies, à la fois, donc il y avait des panneaux de salle qui installaient le contexte et la problématique, et on a essayé au maximum aussi d'associer aux images des cartels développés assez explicatifs, donc pas systématiquement pour pas non plus alourdir la visite, mais on a fait un gros effort là d'analyse et de lecture des images et en même temps de contextualisation de chacune d'entre elles. Je pense que c'est par ce biais-là qu'on a pu réintroduire un peu d'histoire. Le contexte, voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. Ça m'intéresse beaucoup que vous avez montré des femmes photographes hongroises même dans l'exposition, parce qu'il y a quelques années que j'ai fait une petite exposition dans l'Institut français avec le directeur adjoint de l'Institut, Csaba Varga, et à ce temps nous avons reçu de cette collection Christian Bucoré, qui avait beaucoup de photographies des femmes hongroises. Et vous connaissez cette collection qui est maintenant dans le Centre Pompidou. De Christian Bucoré. Oui, bien sûr. Et dans lequel il y a beaucoup de femmes photographes hongroises qui sont les meilleures à cette époque, oui, dans les années 20-30, et que vous avez pris de cette collection. Alors, à la fois, effectivement, on a beaucoup puisé dans la collection du Musée national d'art moderne Centre Pompidou, qui venait de faire l'acquisition de cette collection de Christian Bucoré. Et puis, en fait, on a aussi eu la chance d'avoir un dialogue avec des marchands de la galerie Vintage à Budapest, oui, et puis avec le musée de la photographie. Voilà. alors, c'était une recherche malheureusement qui n'était pas du tout exhaustive. Et à l'époque, je ne connaissais pas ce que vous aviez déjà fait. Non, mais c'est un fait, c'est que malheureusement, on n'a pas été du tout systématique dans nos recherches, mais on a été pragmatique. Mais c'est vrai qu'on a, grâce à, aux collections en ligne, aux emails, etc., maintenant, ça devient quand même formidable parce qu'on peut, par coq à l'âne, d'une certaine manière, être renvoyé sur tel ou tel chercheur ou collection. Akár ez a munkája, akár a korábbi munkái nyitottabbá, érzékenyebbé tették-e arra, hogy a fototörténetet tanítva olyan szerzőket, olyan alkotókat is bemutasson, akiket esetleg az általunk is ismert vaskos, tekintélyes munkák ignorálnak. Alors oui, complètement en fait. Moi j'ai commencé un cycle d'enseignement à l'école de Louis il y a 3 ans. Et le sujet a porté pendant 3 ans uniquement sur les relations entre les femmes et la photographie. Donc j'ai creusé cette question que j'avais posée lors de cette exposition avec mes étudiants pendant 3 années. Des étudiants qui étaient surtout des étudiantes d'ailleurs, comme vous en doutez. Et donc ça a été évidemment l'occasion d'aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on avait pu montrer lors de cette exposition, et plus loin à la fois dans les corpus et plus loin dans le temps, puisque je me suis aussi beaucoup intéressée à la production des femmes photographes après la Seconde Guerre.